Voilà, on est à Cannes avec les copains. On se met bien. Une petite vue. C'est le lancer le plus pourri de la Terre. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Alors, comment écher un bibi? C'est très simple. Faut trouver la bouche. Et hop. Voilà. On mettait comme ça. Ensuite, moi j'utilise des hameçons déjà montés, mais vous pouvez les monter vous, c'est plus sûr parfois. Très bien, tac. Passer le fil dans l'œillet. Ouais. Voilà, donc là, on a le verre enfilé grâce à l'aiguille. On glisse l'hameçon ici pour le dissimuler. Voilà. On a éché notre bibi, comme on dit. J'ai rien. Ah, oh. Ouais. Toi, tu m'as porté chance. Oh là là, oh là là. Du calme. Oui, elle a pas envie. Oh la vache! Il y a beaucoup de têtes. Putain! Ouh! Ah, elle est belle! C'est bon, t'inquiète. Belle petite dorade là. Belle petite dorade, une petite portion. Hein. Tu sens quelque chose ou pas? Ça donne des petits coups de tête? Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est un petit! Oh, c'est une oblade qui s'est fait harponner. Bon, celle-là, on va la remettre. Ça filme ou pas? Ah, c'était peut-être ça que t'as eu aussi. Il doit y avoir un banc parce que... Oh, tu te calmes. Petite oblade. Allez, file! Alors on va voir un petit peu là ce qu'on va remonter. Beaucoup de vagues là en même temps. Une belle touche sur l'US, on ne sait pas encore ce que c'est. Petite dorade qui fait à peine la maille. On va lui enlever l'hameçon, on va la rejeter. Voilà. La dorade. Petite dorade, voilà, on va la rejeter. Elle a un petit peu tiré, c'était bien.